La sécurité du quotidien a été mise en place par la police nationale, et notamment la direction de la sécurité publique, qui voit dans ce rapprochement avec la population une mission essentielle de la sécurité du quotidien. Ce rapprochement avec la population, il s'exprime au cours de chaque intervention 17 police secours, mais également il s'est développé lors des journées en sécurité intérieure, lors d'un véritable partenariat mis en place avec la participation citoyenne, avec l'accueil des élèves de 3e au sein des commissariats. Tout ça crée un rapprochement, mais il s'est aussi également développé avec des populations différentes, comme les commerçants, avec lesquels des conventions sont également établies, avec l'éducation nationale. Donc là, il y a un véritable rapprochement, parce qu'il y a un partenariat. Mais au-delà de ce partenariat, on attend aussi que le citoyen devienne véritable acteur de sa sécurité. Et la sécurité du quotidien, c'est cet échange entre la police nationale et les citoyens. Le premier conseil est de croire en son projet, avoir un esprit créatif et ensuite de fédérer des partenaires autour de ce projet. Cette antenne de police mobile n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien du préfet de la Charente-Maritime et de la communauté d'agglomération de La Rochelle. C'est eux qui sont les premiers supports et qui ont permis la conception et la réalisation de cette antenne de police mobile. Le fait d'être lauréat et d'avoir reçu le prix de prévention de la délinquance 2020 nous donne une réelle visibilité. Mais aussi et surtout, cela est un hommage pour l'honneur de tous les policiers qui, tous les jours, cherchent à faire cette prévention, cherchent à lutter contre la délinquance et montrer cette bonne pratique. La première perspective est la diffusion de cette antenne de police mobile au sein d'autres services de police ou de gendarmerie. Mais c'est surtout aussi pour aller plus loin, c'est d'amener la dématérialisation de nos procédures, comme la pré-plainte en ligne, le site Perceval, au plus proche des gens en leur apportant cette information. Et même encore, c'est l'adaptation, l'antenne de police mobile est la preuve de l'adaptation et de l'agilité de la direction de la centrale de la sécurité publique pour répondre le mieux possible aux besoins d'aujourd'hui.